Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui. Les causes d'un rythme cardiaque accéléré et méthodes de traitement. Vous devez avoir déjà senti votre rythme cardiaque accéléré et vous vous êtes peut-être demandé quelles sont les causes d'un rythme cardiaque rapide et quelles sont les façons de le traiter. Des palpitations peuvent être observées dans de nombreux endroits du corps, tels que la poitrine, la gorge et le cou dans certains cas où tous les vaisseaux sanguins sont affectés par cette accélération, et ce n'est généralement pas dangereux. La tachycardie est un problème de santé qui fait battre le cœur très rapidement, souvent en raison de l'agacement ou de la peur d'une personne. Un rythme cardiaque rapide ne signifie pas qu'il existe un problème de santé grave dans le cœur, car il s'agit généralement d'une question transitoire, et il convient de noter que la maladie peut disparaître d'elle-même. Cause et traitement du rythme cardiaque accéléré. Dans la plupart des cas, une personne en souffre en raison du stress ou de l'anxiété, ou même en raison de la consommation d'une grande quantité de caféine, de nicotine ou d'alcool, et cela peut également se produire pendant la grossesse. Il a également été mentionné précédemment qu'un rythme cardiaque rapide n'indique généralement pas un problème de santé grave, mais il est nécessaire de consulter un médecin si cela s'accompagne des symptômes suivants. Essoufflement. Douleur dans la poitrine. Vertige. Évanouissement. Cause d'un rythme cardiaque rapide. Cause et traitement du rythme cardiaque accéléré. Il est possible qu'il y ait plusieurs causes sous-jacentes derrière un flutter ou un rythme cardiaque rapide, et les causes sont divisées en deux groupes comme suit. 1. Causes non liées au cœur. Les causes non liées au cœur signifient que les causes n'ont rien à voir avec l'organe cardiaque, et parmi les plus importantes de ces raisons sont émotions passionnées, telles que anxiété, peur, tension ou telles qu'une personne a une crise de panique. Faire des exercices vigoureux, tels que le jogging, l'haltérophilie et la lutte. Prenez une substance qui contient de la caféine, de la nicotine, de l'alcool ou des drogues. Exposition à l'un des problèmes de santé suivants. Faible taux de sucre dans le sang. Anémie. Sécheresse. Modification du niveau d'hormones, qui survient plus souvent chez les femmes que chez les hommes, car les changements hormonaux les plus importants chez les femmes se produisent pendant le cycle menstruel et la grossesse. Prendre certains types de médicaments tels que les médicaments contre l'asthme et les médicaments contre l'hypothyroïdie. Manger certains types d'herbes ou de suppléments. Manger un repas riche en glucides, en sucre ou en matière grasse. 2. Causes liées au cœur. Il est possible que le rythme cardiaque rapide soit causé par un problème spécifique affectant le cœur lui-même et les plus importantes de ces raisons sont crise cardiaque antérieure. Maladie de l'artère coronaire. Insuffisance cardiaque. Problème avec les valves cardiaques. Problème avec le muscle cardiaque. Traiter un rythme cardiaque rapide avec des herbes et différentes méthodes. Cause et traitement du rythme cardiaque accéléré. Traitement de l'arythmie avec des herbes médicinales. Certaines personnes développent soudainement un trouble du rythme cardiaque, ce qui les rend anxieuses et paniquées, et ont peur de développer une maladie cardiaque. Nous avons donc décidé dans cet article de vous présenter les causes de la tachycardie et le traitement avec des herbes rapides et de proposer des méthodes de traitement de l'abus de drogue. Certaines personnes ont remarqué que le rythme cardiaque de certaines personnes s'accélère en dormant sur le côté gauche et elles ne savent pas que cela a des implications scientifiques et pathologiques. Le propriétaire de ce symptôme ne le sait peut-être pas. Rythme cardiaque rapide. La tachycardie est un rythme cardiaque irrégulier qui augmente soudainement, semblable à un choc ou à un battement violent. Un rythme cardiaque rapide fait ressentir à une personne un trou dans le cœur, ce qu'on appelle un rythme cardiaque, et le cœur peut se produire dans la poitrine ou le cou. Sachez qu'il s'agit d'une crise cardiaque ou d'un rythme cardiaque rapide qui dure quelques minutes et peut durer plusieurs heures. La plupart du temps, une fréquence cardiaque rapide n'est pas gênante, n'est pas causée par une maladie et n'est pas une cause d'anxiété ou de stress. Cependant, si vous ressentez certains symptômes, tels que des étourdissements ou des douleurs thoraciques intenses, vous devez consulter immédiatement votre médecin. Si vous vous sentez étouffé et ne pouvez pas mieux respirer, ou si vous vous sentez faible et évanoui, vous devez également consulter votre médecin. Voici l'Axose, la méthode de traitement naturel de l'arythmie avec la prescription à base de plantes par sujet. Un rythme cardiaque rapide fait ressentir à une personne un trou dans le cœur, ce qu'on appelle un rythme cardiaque, et le cœur peut se produire dans la poitrine ou le cou. Sachez qu'il s'agit d'une crise cardiaque ou d'un rythme cardiaque rapide qui dure quelques minutes et peut durer plusieurs heures. La plupart du temps, une fréquence cardiaque rapide n'est pas gênante, n'est pas causée par une maladie et n'est pas une cause d'anxiété ou de stress. Cependant, si vous ressentez certains symptômes, tels que des étourdissements ou des douleurs thoraciques intenses, et si vous vous sentez étouffé et ne pouvez pas mieux respirer, ou si vous vous sentez faible et évanoui, vous devez également consulter votre médecin. Causez la méthode de traitement naturel de l'arythmie avec la prescription à base de plantes par sujet.
cause d'un rythme cardiaque rapide. De nombreux facteurs peuvent directement entraîner une sensation de palpitation et une fréquence cardiaque rapide, et les plus importants de ces facteurs sont 1. Les médicaments. Tension ou anxiété à propos de quelque chose ou exposition à une tension nerveuse ou à un stress psychologique sévère. Prendre certains médicaments, tels que les médicaments anti-allergiques et les sprays utilisés pour traiter les maladies pulmonaires, telles que l'asthme. Il existe d'autres médicaments qui peuvent provoquer des crises cardiaques et un rythme cardiaque rapide, y compris l'utilisation de médicaments thyroïdiens et d'anticardiaques. L'utilisation de certains antibiotiques peut entraîner une accélération de la fréquence cardiaque, l'utilisation d'antidépresseurs et l'utilisation de médicaments antifongiques. De plus, les médicaments utilisés pour traiter la grippe et la toux peuvent accélérer votre rythme cardiaque. En plus de boire des boissons à base de plantes ou de prendre certains types de suppléments nutritionnels. 2. Problèmes de santé. De plus, certains problèmes de santé peuvent provoquer une accélération du rythme cardiaque, notamment l'anémie ou l'hyperthyroïdie. Il existe également des maladies cardiaques, telles que l'hypoglycémie ou la kaliémie. Une forte fièvre ou une déshydratation est un autre problème de santé qui peut provoquer un rythme cardiaque rapide. Exposition à des saignements, une perte de sang importante, un choc sévère ou des niveaux déséquilibrés d'oxygène ou de dioxyde de carbone dans le sang. 3. Maladies cardiaques. Les maladies cardiaques peuvent provoquer un rythme cardiaque rapide et une sensation de cœur persistante, comme une maladie coronarienne et une insuffisance cardiaque. Dysfonctionnement valvulaire cardiaque, crise cardiaque, cardiomyopathie hypertrophique. De même, les malformations cardiaques congénitales qui apparaissent de la naissance à une personne peuvent provoquer un rythme cardiaque rapide. 4. Déséquilibre hormonal. Les perturbations hormonales subies par les femmes peuvent entraîner une accélération du rythme cardiaque. Par exemple, le cycle menstruel, l'arrivée de la grossesse ou la ménopause. De plus, le choc émotionnel a un impact majeur sur les femmes, car il conduit parfois à un rythme cardiaque rapide. 5. Mauvais style de vie. De même, un mode de vie qui contient de mauvaises habitudes peut conduire au tabagisme mental, comme le tabagisme et le manque d'exercice. De même, manger des aliments qui contiennent beaucoup d'épices peut également accélérer le rythme cardiaque. L'obésité est également l'une des principales causes d'un rythme cardiaque rapide et d'une sensation de cœur. Diagnostic de la fréquence cardiaque rapide. Si une personne sent que son cœur augmente et que son rythme cardiaque l'est, elle devrait consulter un médecin. Surtout lorsque cette sensation est accompagnée de certains symptômes, tels que des étourdissements, une suffocation ou des douleurs thoraciques. Le médecin examine le patient et établit un diagnostic préliminaire de la maladie en écoutant le rythme cardiaque avec un stéthoscope. Il effectue également des contrôles cliniques sur les patients pour voir s'il existe une cause cardiaque, telle qu'une activité anormale de la glande thyroïde. Les médecins peuvent également diagnostiquer avec précision la maladie avec certains tests. Ces tests comprennent un électrocardiogramme, ECG, au repos ou sous l'influence du stress. Lorsque la fréquence cardiaque est mesurée, elle peut détecter une accélération, la présence du cœur ou tout problème cardiaque. Installez un monitor Holter, qui est un appareil capable de mesurer votre fréquence cardiaque en 3 jours environ. Il peut détecter les noyaux cardiaques qui ne sont pas détectés par les appareils ECG. Avoir un échocardiogramme, qui est une échographie du cœur. Ce test révèle une bonne santé et un bon fonctionnement du cœur. Traiter les arythmies. Le traitement d'un rythme cardiaque rapide dépend de la cause principale. Le traitement utilisé consiste à changer de mode de vie et peut être traité avec des médicaments ou d'autres interventions médicales. 1. Changer le mauvais mode de vie. Il existe certaines lignes directrices que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser de votre cœur et de votre rythme cardiaque. L'une des directives les plus importantes est de ne pas abuser des boissons contenant de la caféine, telles que le café et le Nescafé. Éliminez les mauvaises habitudes de tabagisme qui peuvent affecter votre santé générale et en particulier la santé de votre cœur. Arrêtez complètement de boire de l'alcool. Une alimentation saine et riche en vitamines et minéraux est bonne pour votre corps. Dormez suffisamment la nuit, détendez-vous et reposez-vous suffisamment. N'utilisez pas de drogue. Si vous ressentez des crampes ou des étourdissements, asseyez-vous tout de suite. Évitez de prendre certains médicaments qui peuvent augmenter votre rythme cardiaque. Faites des exercices de relaxation et de réduction du stress, en particulier le yoga. 2. Médicaments. Certains médicaments peuvent aider à éliminer le cœur et un rythme cardiaque rapide, comme les antiarythmiques. Les plus importants de ces médicaments sont les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. S'il n'y a pas de résultat efficace de ces médicaments, les médecins prescriront certains médicaments qui ciblent directement le cœur. Ces médicaments affectent les taux de potassium et de sodium, réduisent la tension artérielle et traitent le cœur.
3. Autres interventions médicales. En l'absence de résultats efficaces des méthodes ci-dessus, les médecins peuvent prendre d'autres interventions médicales. L'une de ces interventions consiste à faire passer un cathéter à travers une veine du cou, de l'anneau de la poitrine jusqu'au cœur, éliminant ainsi le cœur. Appliquer un ou plusieurs chocs électriques sur la paroi thoracique pour réguler le rythme cardiaque et contrôler sa vitesse. Utiliser des herbes pour traiter un rythme cardiaque rapide. 1. Lavande. La tachycardie est parfois causée par le stress, la maladie mentale et la nervosité. La lavande peut être utilisée pour calmer les nerfs et soulager le stress. Cela peut être accompli en plaçant 2 cuillères à soupe de lavande dans de l'eau bouillante et en inhalant l'huile volatile résultante. 2. Valériane. La valériane est l'une des herbes naturelles qui régule la fréquence cardiaque. La valériane peut également aider à calmer les nerfs, à soulager le stress et à dormir paisiblement la nuit. Par conséquent, il est recommandé d'ajouter 10 gouttes de solution de valériane à 1 verre d'eau et de le boire pendant au moins 1 mois. 3. Aubépine. Comme nous le savons tous, l'aubépine est bonne pour le corps, en particulier pour le cœur, et elle peut maintenir un rythme cardiaque normal. L'aubépine peut également renforcer le muscle cardiaque et améliorer le flux sanguin entrant et sortant du cœur. Il est recommandé de manger de l'aubépine et de l'ajouter à divers aliments ou de manger de l'aubépine sous forme de compléments nutritionnels qui peuvent être achetés en pharmacie. 4. La mélisse. La mélisse, parfois appelée mélisse, est une herbe du rythme cardiaque qui peut aider à contrôler le rythme cardiaque. Il peut également stimuler la circulation sanguine, maintenir un cœur en bonne santé et aider à traiter l'hyperthyroïdie, ce qui accélère le rythme cardiaque. Vous pouvez ajouter de la mélisse à vos repas tous les jours ou ajouter des feuilles de mélisse à l'eau bouillante, couvrir la boisson pendant 10 minutes, puis la boire. 5. Huile d'olive. Des expériences et des études scientifiques ont prouvé que la consommation d'un quart de tasse d'huile d'olive, environ 4 cuillères à soupe par jour, aide à réguler le rythme cardiaque. De là, vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets liés au rythme cardiaque rapide, ses causes et comment le traiter, et il couvre les sujets suivants: cause de l'augmentation soudaine du rythme cardiaque et de l'essoufflement. Traitez votre rythme cardiaque rapidement à la maison. 1. Épinard. Un manque de magnésium dans le corps peut accélérer le rythme cardiaque. L'épinard est un légume à feuilles riche en magnésium. Par conséquent, il est recommandé de manger des épinards 2 fois par semaine pour garder votre cœur en bonne santé et l'éliminer. 2. Ail. L'ail est l'un des aliments qui contiennent des substances anti-inflammatoires car il aide à réguler le rythme cardiaque et à éliminer le cœur. Par conséquent, il est recommandé d'ajouter de l'ail à tous les repas et aliments chaque jour. Après votre réveil le matin, vous pouvez également manger 3 gousses d'ail frais chaque jour. 3. Miel noir. Le miel noir aide à réguler le rythme cardiaque car il contient certains éléments et composés. Le miel noir contient du potassium, du magnésium, du fer et du calcium. Ajoutez 1 cuillère à soupe de mélasse dans une tasse d'eau et buvez-la quotidiennement pour garder votre cœur en bonne santé. 4. Banane. Les bananes sont l'un des meilleurs fruits bénéfiques pour la santé humaine car elles contiennent un pourcentage élevé de potassium. Étant donné que le potassium aide à réguler le rythme cardiaque et à éliminer le cœur, il est recommandé de manger 2 bananes par jour. 5. Curcuma. Le curcuma contient de la curcumine qui est un anti-inflammatoire et un antioxydant. La curcumine aide à réguler la fréquence cardiaque et à éliminer les trous cardiaques. Il est recommandé d'ajouter 1/2 cuillère à soupe de curcuma au repas et salade chaque jour, ou d'ajouter du curcuma au lait ou au jus. 6. Produits de boulangerie. Les boulangeries, pâtisseries et tartes fermentées aident à réguler le rythme cardiaque car elles contiennent des substances anti-inflammatoires et antioxydantes. Boissons qui ralentissent le cœur. 1. Menthe. La menthe bouillie calme le système nerveux car elle contient des anti-inflammatoires. Il est recommandé d'ajouter 1 cuillerée de menthe séchée à 1 tasse d'eau bouillante et d'adoucir la boisson avec 1 cuillère à soupe de sucre ou de miel avant de manger. Vous pouvez également mâcher des feuilles de menthe verte fraîche pour calmer vos nerfs et réguler votre rythme cardiaque. 2. Lait. Le lait faible en gras est l'une des boissons les plus importantes que vous devez vous assurer de boire tous les jours. Étant donné que le lait contient du potassium, un manque de potassium dans le corps est connu pour entraîner un rythme cardiaque accéléré et un rythme cardiaque plus rapide. Par conséquent, il est recommandé de boire 1 tasse de lait chaud avant le coucher tous les jours pour réguler le rythme cardiaque, calmer les nerfs et détendre le corps et l'esprit. 3. Pissenlit. Le pissenlit est une herbe naturelle très bénéfique pour le corps humain car il contient des composés anti-inflammatoires. Le pissenlit aide à réduire le cholestérol nocif dans le sang et contribue ainsi à améliorer la santé cardiovasculaire. Il aide également à traiter les battements cardiaques rapides, il est donc recommandé de boire du thé de pissenlit au moins 1 fois par jour. Cela se fait en ajoutant l'herbe de pissenlit à de l'eau bouillante, en couvrant la boisson pendant 5 minutes, puis en la buvant.
4. Cannelle. Puisque la cannelle contient du potassium et du manganèse, c'est l'une des herbes qui aide à éliminer un rythme cardiaque rapide. La cannelle aide également à améliorer le flux sanguin vers le cœur et empêche l'accumulation de cholestérol nocif. Il est recommandé de boire une tasse de cannelle 2 fois par jour le matin et le soir. Cela peut être fait en ajoutant une cuillerée de cannelle en poudre à une tasse d'eau bouillante et en la buvant, et elle peut être sucrée avec du sucre ou du miel. Causer traitement du rythme cardiaque accéléré. À la fin de l'article, utilisation de plantes médicinales pour traiter la tachycardie, nous espérons que le contenu présenté vous attirera car nous avons écrit un article complet sur les arythmies couvrant la cause, le diagnostic, les médicaments, la médecine naturelle et les remèdes maison. Veuillez nous attendre dans le nouvel article et n'oubliez pas de commenter l'article.